Oh non, putain, il recommence. C'est pas vrai, ça. Merde. J'ai lancé le... là, non. Si ? Ah ouais. Huge Bang Bang revient bientôt, oui mais bon, non, les serveurs sont ouverts là. S'ils me disent que les serveurs sont fermés depuis 10 minutes, je pète un plomb. Je veux une réponse tout de suite, là. Sinon, pour votre vidéo, vous vous la fourrez dans le f***. Mais ça, Adblock, tu me réactives ça. C'est bon. Pas parce que je pirate qu'il faut le désactiver. Oh, deux commentaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, celle-là, c'est la meilleure. Alors que c'est la plus pourrie. C'est la plus pourrie, celle-là. Elle vient pas de moi. Enfin, si, elle vient de moi, mais... J'ai juste retapé un YTP à la con, ça, c'est la meilleure, ouais, bon, si tu veux, hein, mais... Moi, la meilleure que j'ai faite, c'est celle-là, la meilleure que j'ai faite. Ou celle-là, aussi. Ou la dernière que je viens de faire, là, aussi. Alors, voyons voir notre ami Gwen. Gwendoline. Ce que je fous dans ta vidéo, bah attends, 5000 abonnés, il faut fêter ça. Pour ça que Louis Tunès, il te reconnaît pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui est-ce? Mais je veux pas le reconnaître, je le connais pas. Allez, mais répondez-moi. Mais je peux pas rentrer dans votre fucking jeu, là. Je veux pleurer, je veux pleurer. Je ne pleurerai pas, mais je veux un émote qui pleure, bordel de merde. C'est ça? Ah, ça, oui, c'est bien, ça. Et ce code là qui m'a refilé, Nico, là, il marche pas. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Eh ben, merde alors. Bon, bah écoutez, c'était Huge Bang Bang, hein, le jeu le plus joué de la galaxie. Bon, je vais me retourner faire des YTP, moi, si c'est comme ça. 21 likes, 0 dislike, c'est très bien. Hein, pourquoi se faire chier à tourner et monter une vidéo pour faire 32 vues? Alors que quand on fait juste un montage vidéo, ça nous fait des 1700 et de 2000 vues. Pourquoi se faire chier? Tu fais juste un montage et c'est bon, ça fait plus de vues que si tu faisais un tournage plus un montage. Deux fois moins de travail, deux fois plus de succès. Je floute leur truc, tu sais, comme un gros malade. En espérant que les notifications fassent du ding, 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 ding. Oh, y a, ça parle sur le Discord. Oui, il y en a qu'un seul tout seul qui parle tout seul. Oh, 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 il y a quelqu'un. Pardon. Tu veux mon doigt? Il a beaucoup d'expérience. Surtout avec le pouce. MDR, non, il y a une panne internet au studio. Oh, coulade. Mais s'il m'a répondu, ça veut dire que le réseau est revenu. On peut espérer. C'est l'ordinateur portable qu'a acheté ma copine. Avec les touches, par contre, ils sont super bien poussiéreux, hein. Oh la vache. Voilà, regarde les fauteuils. C'est les mêmes que moi. J'ai le même, là, tu vois. Certains utilisent la 4G dans le studio MDR. Oh, toi, tout de gaz. Écoute, on va faire quoi? Ben, on va faire quoi? On va jouer à un jeu de merde, hein, pour remplacer Huge Bang Bang. Je dis pas que Huge Bang Bang, c'est un jeu de merde, c'est un jeu en développement. Oh, ta gueule. Alors, on va jouer à un jeu de merde. On va jouer à Plague, comme ça va être rapide. On va perdre, comme ça va être rapide. Oh, oui. Voilà, Plague, je vous présente le jeu le plus chiant de la galaxie. Mais le plus chiant. Le jeu où il se passe rien. C'est un jeu de merde, en fait. T'as une map monde, et puis c'est tout. Ouais, en plus, il veut même pas se lancer, c'est ça qu'il faut... Ah, si, il se fait... Ah, excuse-moi, je... Excuse-moi. Je ne parle pas mal, je dis la vérité, ta gueule. Mais ta gueule... Ferme-moi ta gueule, mets ta gueule. En plus, on peut même pas coucher ça, ferme-moi ta gueule. Alors, moi, j'ai acheté ce jeu de merde. Pourquoi? Pour pouvoir faire une apocalypse zombie à la Walking Dead, forcément.
Mais avant de pouvoir arriver à faire une apocalypse zombie à la Walking Dead, ce qui veut dire il faut déverrouiller, parce que oui, hein, t'as pas tout déverrouillé. Il faut déverrouiller tous les virus, voilà, tu vois, comme quoi j'ai joué beaucoup, hein, ce jeu de merde. Parasite, c'est quoi déjà le jeu? Bioarme, je sais pas du tout. C'est un virus. Ils ont même foutu le truc de la planète des singes et des vampires. C'est de la merde. Ah ouais, je peux t'assurer, mais c'est... J'en ai connu des jeux de stratégie de pourri, mais alors de comme ça, mamma mia. Mais écoute, on va faire le Fingus, parce que pour le virus zombie, je sais pas, c'est quoi. Virus nécroi, c'est un de ces virus. C'est un de ces virus. Voilà, en gros, il faut réussir tes parties avec tous ces merdes. Déjà, c'est pas gagné. Alors, je vais insérer ma bite, parce qu'il y a rien. Alors c'est quoi ça? Réduit les chances de mutation de l'épidémie. Augmente les chances de mutation. On augmente tout, hein, même si ça peut inciter les autres à faire des recherches pour pouvoir niquer mon virus. Voilà, j'ai rien d'autre, hein. J'insère ma queue et puis je me casse. Ah oui, en plus je suis obligé de le faire en normal si je veux débloquer les virus. Si je le fais en facile, c'est trop facile, ben ça marche pas. Code triche. Ah bon, il y a des codes triche? Eh ben voilà. Formidable, tout est verrouillé. Pax 12, ouais, on s'en fout du nom, c'est de la merde. Alors, il faut cliquer sur un pays où on est sûr que ça va bien se propager comme... Eh ben, on va y aller chez les Nyakwe, hein, écoute, ils sont bien peuplés là-bas, donc voilà, on en va chez les Nyakwe, voilà, j'ai lancé mon virus chez les Nyakwe, tout va bien. Et voilà. Ta gueule. Je sais même plus comment on joue, ça fait 5 mois que je... Si, non, peut-être pas. Ça fait des mois que j'ai pas joué à ce jeu, en tout cas, c'est sûr. Je sais pas du tout comment on joue. Je sais plus. Si, là. Là. Là, là, si. Si, si, là. Putain, ça coûte cher, en plus, c'est con. Voilà, il faut que tu fasses évoluer ton virus pour qu'il se propage dans la merde. Soit dans l'air, soit dans l'eau, soit par le sang. Avec les moustiques, avec les bœufs, je veux dire. Les rats. Et les oiseaux. Voilà, ça c'est pour transmettre. Après t'as les symptômes, hein. Alors, nausée, diarrhée. Alors conséquence, perte de conscience, délirium, vomissement. Diarrhée, déshydratation, vous confirmez Jibon? Et plein de trucs qui font chier. Capacité, relâche les spores épidémiques dans l'air pour injecter un nouveau pays. Vas-y, évolue-le. Allez, on évolue-le. On peut augmenter la vitesse. Ouais. Ta sœur. Voilà. Alors, avec ce truc là, le Fengus, là, le Finchui, là, le je sais pas quoi, là. C'est très facile de contaminer le monde entier. Mais alors, le plus difficile, c'est de tous les buter. Je sais pas pourquoi. J'arrive à contaminer le monde entier, mais personne ne crève avec ce merdier. Personne ne crève. Ta gueule. Je peux pas, ouais, je peux. Allez hop, on va le faire évoluer. Alors dans l'air, hein, déjà, moi j'envoie l'air. J'envoie les moustiques. Le moustiquaire, Rastaquaire. J'ai que 2 points dans un ADN, déjà j'ai tout bouffé. On va foutre Insomnie, tiens. C'est très bien pour les chercheurs, comme ça ils sont niqués. Attends, il y a les capacités aussi pour niquer les chercheurs. Ça, j'avais tout le temps tout à fond. Hein, je peux t'assurer, je t'ai fait je sais pas combien de fois cette partie. J'ai tout à fond, hein, en médecine. Pour que personne ne puisse chercher un antidote au virus, ben non, tu trouves tout le temps une antidote au virus pour te niquer la gueule. Il y en a plein des youtubeurs qui ont fait une vidéo sur ce jeu, qui disent que c'est un jeu super foil, bah putain, je sais pas où ils le trouvent le foil, hein, parce que... Voilà, c'est ça pendant tout le jeu. Hein. Alors forcément, si vous avez un PC de merde, vous inquiétez pas, vous pouvez le faire tourner à fond ce jeu, il demande rien en carte graphique. Hein. Si t'as même pas de carte graphique, ça marche, hein, c'est clair. Hein. c'est le jeu le plus chiant de la galaxie. Pax 12, on s'en fout, il a muté, c'est très bien. Je m'en fous. Je fais une vidéo à part parce que Jibingbang, il est en panne. Et pour une fois, ça vient pas de chez moi, ça vient de chez eux. Enfin. Moi, quand je dis ça, ça veut dire que je suis tout le temps enculecté par le diable, donc forcément. Pour une fois, ça vient pas de moi. La capacité. Bah écoute, on évolue le déjà en là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est ça pendant tout le jeu. C'est foil.
Après, c'est quand tu prends le l'épidémie, enfin le truc vampire ou la merde là de la planète des singes. Merde. Ah mais minute papillonne. Enculé, enculé. Ah oui, mais j'ai voulu direct dans les trucs de médecine. Faites pas chier. Alors, vas-y, insomnie, paranoïate, allez. Lara parano. Le monde, regarde-moi ça, le monde, comment que ça est. Je te les contamine tous dans le monde. Regarde-moi ça, ça va vite, hein, ça va vite, hein. Mais par contre, pour les buter, c'est plus chiant. Parce que c'est ça le but du jeu, c'est buter tout le monde, hein, sinon c'est pas drôle. Non, franchement, ce jeu, il manque beaucoup de cinématiques, des trucs, genre, quand il y a des événements comme ça, tu vois, que tu vois une cinématique, un peu comme à la Shogun 2, tu vois. Quand t'envoies ton ninja tuer quelqu'un, t'as une cinématique, t'as une, tu vois, un truc qui se passe, tu vois. Bah, il manque de ça dans ce jeu, il manque de ça. Quand tu fais le truc de la planète des singes, tu contrôles tes singes pour aller conquérir des pays. Pareil pour les vampires, mais c'est chiant. Parce que tu perds tout le temps, parce que c'est chiant. T'as toujours des organisations qui se mettent en place pour te niquer la gueule. J'aime bien la musique par contre. Elle est... J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Moi, je fais n'importe quoi, je sais. Je m'en fous, mais c'est comme ça. Si t'es pas content, c'est pareil. On est volule. Lule vole. Volvule. C'est quoi ça? Inflammation. Une inflammation peut bloquer les processus normaux du corps tels que la respiration et être fatale. Et ouais, bah, mais si c'est fatal, tant mieux! Crève! Augmente les risques d'allergies perturbant ainsi le système immunitaire. Les régions riches y sont particulièrement vulnérables. Bah, c'est là qu'il y a les chercheurs, donc on va les niquer. Il faut les niquer, les chercheurs. Mais j'aurais beau faire ce que tu veux, j'arrive pas à les baiser, c'est con. Il y a un truc là pour la recherche. La recherche, elle n'a pas encore été lancée. Si. Statut de recherche en cours de 2%. Déjà, ça a été lancé. Les boobs. Les enculés. Ah ouais, 2%. Là, c'est marqué là. Je m'en souviens maintenant. C'est marqué là. Oh, wow, wow. Continue. Mais ça se propage plus là. Merde. Archimède. Lol. Même quand j'ai que 5 minutes à tuer, généralement je lance pas ce jeu. Je l'ai gardé ce jeu pour faire une vidéo pour vous montrer à quel point c'est de la merde ce jeu. Oh là là là, attends, j'en ai 31. Oh là là, attends, pause. 46. Poche douloureuse contenant de l'organisme potagène. Elles peuvent parfois exploser et propager ainsi la maladie. C'est très bien. Mais attends. Des évanouissements aléatoires réduisant la capacité du patient à évoluer sans aide peut être fatal. Oui, je veux que ce soit fatal, moi d'ailleurs. Action neuroneuse de la jambe sur le frontal perturbe les émotions et comportements. Les soins sont plus difficiles à administrer. C'est très bien. Bah oui, attends. Putain, je peux rien propager là. Symptômes. Capacité. Je sais pas, c'est exactement le même truc, c'est con, c'est débile, c'est tarlouze, hein. Vas-y. 6% de recherche, c'est très bien. Diarrhée, non, vomissement. Moi je veux la diarrhée. Je veux la diarrhée. Paralysie. L'agent potagène détruit les neurones moteurs, causant la paralysie, plus dure à soigner et potentiellement létale. Mais c'est très bien. Que demande le peuple? Il demande qu'à crever, forcément. Crevez tous, bande d'ingrats. Et ça crève au moins là, parce que ça c'est la barre noire là, si on vous voit, enfin on voit pas beaucoup. Cherche un nouveau meneur. C'est très bien. Ah non, putain ouais. Ça il faut l'éclater direct. Faut l'éclater là. Jta. Je veux du sang. Je veux du sang. Je veux que ça gicle. Oh putain ouais, faudrait peut-être. Ah j'ai pas assez, Tarlouze, pourquoi j'ai pas foutu là-dedans moi? Mais ça meurt pas, y'a rien qui meurt là-dedans, c'est chiant. Oulala. Oulala. Ta gueule. Hein. Putain, ils ont foutu des barrages en plus, ils ont enculé. Ah ouais. J'avais réussi à contaminer tout le monde entier une fois. Et personne ne crève dans ce jeu. Voilà. On va se calmer, hein, dites donc.
Allez hop. Allez hop. Oui, oui, on meurt, on veut mourir tous en fait. Pneumonie. La pneumonie, c'est fatal ça quand même. Dans les pays froids, ils sont particulièrement vulnérables, tiens. Il y a un truc aussi pour évoluer que ça puisse se propager dans le froid. Il me semble. C'est où? C'est dans les capacités. Franchement, c'est le jeu mais où je me suis le moins amusé de ma vie. Hein. Franchement, je te le dis comme ça, mais je te le dis comme ça d'emblée. Allez hop. Il se passe rien, je sais même pas combien je l'ai payé ce jeu à la con. Putain, 60% hein. 62, mais ça monte trop vite. J'ai beau le faire évoluer le bordel pour que ça... Hein, mais nique sa mère, hein. Putain, c'est un truc de ouf, ça ralentit, mais que dalle. Que dalle que ça ralentit, ta soeur. Oh putain, et j'ai plus de morts qu'avant, par contre. Ouh, les morts, c'est bien ça, c'est bon. Ça y est, les morts arrivent. Ah non, mais ta gueule. Mais putain, c'est pas possible de voir ça. Le monde entier est non, le monde entier n'est pas contaminé. Faut qu'il y ait plus de morts que ça, comme ça tue des chercheurs, comme ça cherche moins vite. Ça, il y en a beaucoup trop là. Putain, il y en a beaucoup trop là. Va ailleurs, faut que ça se propage un peu. Oui, oui. Non. Non. Cunardo. Oui. Enfin, je sais pas c'est quoi ça en fait. Oui. Avec 10, je peux faire un truc avec 10. Un truc fatal. Non, je peux rien. Ta sœur. Oui. Allez, l'Espagne, putain. À nous les Français, on est des warriors, putain, et oh. Faut crever les fromages qui puent un peu là. Putain, mais 94%, tu vois, c'est foutu. Hein. Je te dis direct, c'est foutu. Fini, cette partie-là, enfin, ça marche jamais. Ça marche jamais. Ça fait chier. Ça marche jamais. Eh, ta gueule, là. Oui. Oui. Allez, 100% foutu, on est baisé. C'est bon. Voilà. Tiens, regarde ça. C'est bon. On est niqué. C'est formidable, hein. Est-ce que je peux l'évoluer un petit peu, genre, pour faire un truc... ça se propage ailleurs, non? Que dalle, hein, ou ça. Pff, oh, c'est foutu, voilà. C'était Plague. C'est une blague? Non, c'est pas une blague, c'était Plague. C'était de la merde. Non, franchement, le jeu le plus pourri de la galaxie, c'était celui-là. C'était blague. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Voilà. A été éradiqué. Défaite. Nique ta mère. Nique ta mère. Voilà. J'espère que ce jeu vous aura pas plu. Hein. Si c'est le cas, bon, c'est la quéquette noire. Ou la quéquette bleue, on s'en fout. Bon, ils sont encore aux abonnés absents. C'est con, quoi. Je te jure, ce jeu-là, maintenant j'ai fait une vidéo dessus, je peux le désinstaller. Et sans regret. Hein. Dégage. Désinstalle de cette merde. Supprime. Voilà. Mais non. Bon bah ils auront pas de vidéo hein, tant pis hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Pensez aussi, si vous voulez me soutenir un petit peu, pensez à acheter des jeux sur Instant Gaming avec mon lien d'affiliation. Bordel de merde qui se trouve dans la description. Et non, j'ai pas fait la rime de la déprime en faisant exprès. Sur ce, je vous fais de gros poutous. On se dit à la prochaine. Et quéquette bleue. Non, enfin, quéquette bleue, comme ça, voilà.